Alors, petite actu sur MotorOne.com, XPeng, le rival chinois de Tesla, lève 1,5 milliard de dollars en bourse. À l'occasion de son introduction en bourse, XPeng a fait des débuts remarqués à Wall Street jeudi en levant 1,5 milliard de dollars. Les constructeurs de véhicules électriques ont décidément le vent en poupe ces derniers temps à Wall Street. Après les récents coups d'éclat de Tesla, c'est son concurrent chinois XPeng qui fait la une de l'actualité économique. En effet, ce dernier vient de lever 1,5 milliard de dollars à la bourse de New York. Lors de son entrée à Wall Street, XPeng est le troisième fabricant chinois d'automobiles électriques à être coté aux États-Unis après NIO et l'arrivée le mois dernier de Li Auto. Tous ces constructeurs tentent de prendre le même chemin que Tesla. XPeng compte actuellement au sein de son catalogue de modèles électriques un SUV G3 vendu à moins de 20 000 exemplaires depuis sa commercialisation en novembre 2018, ainsi qu'une berline baptisée P7 et écoulée à environ 2 000 unités. Un troisième modèle est également en préparation. Alors, la XPeng P7 hein, qui aurait volé le code source de l'autopilote hein, du coup de Tesla, donc peut-être une copie donc de la Model 3, cette voiture tout simplement. Des chiffres de vente bien éloignés de ceux avancés par Tesla, mais les constructeurs chinois de véhicules électriques entendent bien faire grandir leur part de marché. Toutefois, l'introduction de XPeng intervient dans un contexte de rivalité économique et politique acérée entre la Chine et les États-Unis, et au moment où Pékin incite au contraire ses entreprises technologiques à ce côté sur les places boursières nationales comme Shanghai, Shenzhen et Hong Kong. XPeng va mettre sur le marché plus de 99,7 millions de titres à Wall Street. Le prix d'introduction a été fixé à 15 dollars. L'action a terminé à 21,22 dollars à l'issue de sa première journée de cotation sur le Nasdaq en hausse de 41% après avoir gagné jusqu'à 67% en cours de séance. Pour mémoire, XPeng fut fondé en 2015 à Canton et fait partie des dizaines d'audacieuses startups apparues ces dernières années dans le pays pour profiter du boom des véhicules électriques. Sur le marché automobile mondial, la marque emploie quelques 3 600 personnes et possède notamment des bureaux dans la Silicon Valley. Elle compte parmi ses actionnaires le géant chinois du commerce en ligne Alibaba et le fabricant de smartphones Xiaomi. Ou Xiaomi, je sais pas trop comment on dit. En tout cas, dans la pub, c'est comme ça qu'ils disent. Bref, en tout cas, XPeng, bon, de là à dire que l'action va avoir 2 000 dollars un jour, comme Tesla, ça me paraît peu probable. Mais bon, va falloir surveiller ce titre aussi qui pourrait bien augmenter au fur et à mesure que les ventes des véhicules XPeng et que le constructeur XPeng se fait connaître. Surtout s'il continue de voler l'autopilote de Tesla. Sur ce, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous? Ciao.